Ouais, salut à tous. J'ai racheté une canne Semar pour le Carpodrome. C'est la deuxième. Celle-là servira en cas de problème avec la première. C'est une canne de secours si je casse un élément au Carpodrome. Donc c'est une Okuma Semar. Okuma Semar Feder. Donc en 3 mètres. 40, 80 grammes, moi je pêche avec des plantes 40 grammes et 3 sections, 3 sexes et 3 sections. J'y ai mis un petit moulinet Okuma que j'avais déjà, un SAR 1500 en débrayable. Vas-y, en débrayable là, hop, on débraye et puis le fil il s'en va. Donc nickel. Okuma. C'est marre. Avec du 28 centièmes dessus parce que y a des grosses carpes et des gros esturgeons à faire au Carpodrome. Mon record c'est 14 kilos donc faut du fil en conséquence. Et puis ça fait ça comme canne en 3 mètres. Et puis j'ai mis un sion de 2 hoses donc ça correspond à peu près 45 grammes de résistance. Donc il est blanc. Donc sur l'autre aussi j'ai un sion de 45 grammes. J'ai mis l'hameçon dessus, le petit montage avec le clip plomb et puis le manchon que vous pouvez voir dans une autre vidéo en fait. Et puis l'hameçon de 6 là avec le cheveu. Donc voilà, c'est prêt à pêcher. Plus qu'à mettre le plomb et puis à tremper sa ligne. Et puis j'ai acheté des bouillettes aussi. J'en ai profité pour faire le plein. Comme ça, j'en ai d'avance. Et puis j'ai acheté un moulinet pour ma canne à truite aussi. Parce que le moulinet, le frein, il commençait à déconner. Donc je l'ai changé, j'ai pris un Safina Pro. Donc il est bleu, je vous le montrerai. J'ai fait un montage aussi, j'ai mis un bouchon, un hameçon, c'est prêt à pêcher parce que j'aimerais bien y aller prochainement à la truite. Donc voilà, parce que là les carpes, c'est le moment de la fraie. Donc je patiente jusqu'au mois de juin pour y aller. Et puis c'est une poignée liège aussi, avec un petit talon métal. Donc voilà, il y a un petit liseré rouge. Donc avec le moulinet, normalement le moulinet il n'est pas rouge en fait, mais moi quand je les ai reçus, ils étaient rouges. Donc il est rouge là, vous le voyez. Donc ça s'accorde bien avec la canne parce que elle a des liserés rouges. Là il y en a un autre là. Donc ça s'accorde bien avec. Donc ça fait un ensemble sympa quoi. Pour le carpodrome à gros poissons, c'est nickel. Bon voilà, c'était la petite vidéo du jour. Donc je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt!